Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons tester et goûter bien sûr des spécialités italiennes. Je suis à Naples, donc des spécialités napolitaines avec la pastiera. Voilà, je ne sais pas encore ce que c'est connu, mais moi je n'ai jamais goûté. Et un baba, les babas sont également très connus ici à Naples. Et là j'ai pris un baba fourré à la crème de pistache apparemment, donc je vais tester ça avec le petit verre d'eau, voilà, qui est donné avec, puisque je suis dans une pâtisserie italienne, napolitaine, la galerie en fait, commerçante de la gare. Je suis arrêté ici pour déguster ces petites spécialités. Donc là, on dirait une pâte sablée. Ouais, c'est joli. Ça sent quoi, je sens? Ouais, ça sent la pâte sablée. Voilà. Je crois que c'est à l'orange ou la fleur d'oranger, je crois. Si ma mémoire est bonne. Il fait très très chaud, heureusement qu'il y a le petit verre d'eau qui va me rafraîchir parce que je pense que j'aurai la gorge sèche, ça me paraît assez sec. Je sens. Ah, ça sent l'orange, tant trop bon, ça sent la fleur d'oranger. Oh, allez, c'est parti, je goûte. Il y a de l'amande aussi. Mais c'est pas mauvais, c'est pas si sec, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal du tout. Très agréable, je vais en prendre un petit peu. Effectivement, on va faire en plein été, je ne sais pas si c'est l'idéal, mais c'est plutôt très bon. Il va y avoir un petit verre d'eau, à la santé. Non, pas mal, c'est vrai que maintenant on va comparer avec le baba pour voir si c'est meilleur, selon moi, ou moins bon que le baba. Voilà. Alors le baba ressemble beaucoup au baba. Quand on peut trouver en France, regardez avec la forme d'un baba. Sauf que là, ils font des babas nature, hein, au rhum, quand même, mais nature au rhum, ou alors fourré à la pistache, au chocolat, à la fraise, aux cerises. Ah, ça paraît excellent, ça. Voilà, attention. Oh là, regardez, très juteux. Il y a beaucoup de sirop, je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que c'est du sirop base de rhum? Je vais vous dire ça. Est-ce que les enfants peuvent prendre du baba? Je ne sais pas, on va voir ça. Je sens. Ouais, ça sent. Je pense que ça sent le rhum quand même. Allez, c'est parti, je goûte. Alors c'est pas sec du tout. L'avantage pour moi c'est que c'est pas sec. Maintenant, il y a peut-être un petit goût de rhum. Je pense quand même qu'il y a un petit peu de rhum. Léger. Je pense pas que ça soit conseillé aux enfants. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un petit peu, je pense. Hein. Beaucoup de sucre, mais je pense qu'il y a un peu de rhum quand même. Allez, je regoute. Ah, j'ai pris un peu de crème pistache, je n'avais pas vu. Là, par contre, c'est pas lourd. Je vais la goûter toute seule, on va voir. C'est parti, je goûte. Oh, c'est pas mauvais, mais c'est vrai que c'est assez lourd. Je pense que ça peut être vite écœurant. Mais c'est pas mauvais quand même. Non, c'est pas mauvais. C'est un petit goûter très sympa. Je pense que je préfère celui-là parce qu'il est moins sec, contrairement à la pastiera qui est plus sèche, mais bon, en plein été c'est normal. Mais je pense que je vais manger d'autres babas durant mon petit séjour ici à Naples. La pastiera, bah, j'ai goûté, mais je pense que j'en reprendrai pas cet été. Voilà. Je vais mettre travers. Voilà, j'espère que cette courte vidéo, c'était court, mais je pense qu'il y en aura d'autres ici à Naples. Donc laissez un petit pouce en l'air, partagez, commentez, abonnez-vous, activez la petite cloche pour les autres vidéos de Vérifique Trip. Et plein de besos. Voilà, je continue mon périple à Naples. Allez, ciao bello et buono appetito, bien sûr. Ciao.